et au niveau des vêtements que vous portez. Les habits que vous portez possèdent une énergie positive parce qu'elles vous accompagnent un peu partout dans vos activités, dans vos déplacements, et elles vous accompagnent pour des choses très intéressantes et parfois pour des choses désagréables. Logiquement, en début d'année, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, les habits doivent être renouvelés, mais on n'a pas tous les moyens pour renouveler nos habits. Voilà une petite recette que vous pouvez faire qui va peut-être vous aider à renouveler votre aura pour que les vieux choses qui se sont imprégnées depuis longtemps dans vos habits ne continuent pas à s'imprégner dans votre vie en continu. Deux fois dans l'année, si vous avez les moyens, si vous pouvez, parce que tout le monde n'a pas les moyens, alors si vous pouvez, vous devez changer, vous devez acheter un nouveau habit. Un nouveau habit que vous allez mettre parmi vos habits. Une fois tous les 6 mois, au moins un nouveau habit que vous allez prendre pour renouveler vos habits et votre garde-robe. Cet nouvel habit, lorsque vous allez l'acheter, voilà ce que vous allez faire pour que l'activité positive puisse s'imprégner rapidement dans vos habits. C'est très important, les amis. Voilà. Parfois, vous pouvez acheter un nouveau sel ce jour-là. Voilà. Quand vous achetez le nouveau habit, achetez aussi un nouveau sel. Voilà, ça veut dire le même jour, achetez aussi du sel. Et ce sel, achetez à votre nom. Voilà, vous achetez ce sel à votre nom. Voilà, quand vous allez arriver à la maison, vous allez laver cet habit et vous allez prendre le sel que vous avez acheté et vous allez mettre dans la bassine appropriée pour vos astuces. Dans votre maison, vous devez toujours avoir l'habit de chaque être humain. Parce que les gens pensent que c'est mauvais. Non, ça aide énormément. Donc, si vous avez une bassine que normalement vous devez ne pas parler avec quelqu'un, mais ce n'est pas possible parfois de le faire, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est comment vous allez imprégner cet habit dans le jus de sel. Voilà. Donc, le matin, sans parler à quelqu'un, vous allez maintenant mettre de l'eau dans la bassine ou dans le seau que vous utilisez pour vos astuces. Vous allez prendre le sel comme vous avez utilisé et vous allez faire un signe de croix. Ça veut dire que quand vous mettez le sel dans le seau, vous regardez à l'intérieur, vous voyez le signe de croix. C'est très important. Voilà. Donc, vous allez voir le signe de croix imprégné dans le sel et dans le seau. Voilà. Vous allez prendre la nouvelle habit que vous allez payer. C'est la nouvelle énergie qui va s'imprégner dans votre aura. Donc, qui va annuler, qui va vous aider, voilà, à annuler ou à adoucir tout ce qui est vieux, qui ne vous aide pas. Voilà, tout votre aura est vieux, qui ne vous aide pas à avancer. Voilà. Elle va renouveler, voilà, cette aura. Donc, vous allez mettre cet habit dans ce seau. Donc, vous l'avez mis ça le matin. Voilà. Et vous parlez sur cet habit. Ça paraît simple. Et toutes mes astuces paraissent simples. Mais parfois, ce sont des choses que des gens savent, mais qui n'en parlent pas. Le renouvellement de vos habits permet de renouveler votre aura. Et il permet aussi de renouveler des choses que vos deux yeux ne peuvent pas voir. Donc, quand vous allez mettre ça dans le seau le matin, logiquement, pour ceux qui sont dans des pays chauds où il y a le soleil, vous mettez cet habit sur le soleil. Donc, vous aurez en même temps l'énergie solaire, le pouvoir du soleil qui va s'imprégner pour éclairer votre chemin davantage et s'imprégner dans vos vieux habits que vous avez déjà. Il faut prendre votre vie en main, c'est très important. Vous avez une vie et une seule vie. Vous n'en avez pas deux. Le plus important, c'est la réussite rapide dans vos activités. Vous n'êtes pas ici pour attendre que les choses vont venir en fonction d'elles-mêmes. Non, vous devez bouger. Vous devez provoquer toute situation que vous voulez. Voilà, la situation dans votre vie, vous devez la provoquer. Et dans votre aura, vous devez aussi la provoquer. Donc,
quand vous regardez le parcours de votre vie, vous devez normalement voir ce qui ne va pas et ce qui va plus vite et ce qui ne va pas plus vite. Ce qui ne va pas plus vite doit aller plus vite. Et vous devez chercher ces solutions. Et c'est ce que j'essaie de vous donner de temps en temps, voilà, sur ma page ici, voilà. Donc, les amis, quand vous avez mis cet habit dans le seau, je perds même, là je commence même à oublier parce que quand vous mettez cet habit dans le seau, vous allez mettre le seau au soleil. Donc, vous allez avoir cette énergie. L'eau même va devenir chaude pour ceux qui sont dans les pays chauds. Voilà. Pour ceux qui sont dans les pays froids, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Dans ce cas-là, vous allez mettre le seau dehors quand même. Mettez le seau dehors, laissez toute la journée et le matin. Le soir, vous allez tout simplement rincer cet habit, la frotter tout doucement, voilà. Et vous allez la presser et la mettre au soleil, tout simplement. Mettez-la au soleil ou mettez-la, pour ceux qui ont le soleil, mettez au soleil. Ou ceux qui n'ont pas le soleil, mettez dans la machine, la machine pour sécher les habits, vous pouvez la mettre dedans. Mais vous ne devez pas croiser les habits avec d'autres vêtements. Vous devez vous occuper seulement de cet habit. Et quand cet habit est sec, si vous voulez, pour ceux qui repassent les habits, vous pouvez repasser cet habit ou soit la mettre directement dans votre placard. Voilà. Notez le jour et notez l'heure où vous avez acheté cet habit. C'est très important. Pour la prochaine fois, vous aurez la date précise à laquelle vous avez acheté. Et vous allez observer le temps qui arrive, le temps que vous allez... À partir de ce jour, vous allez commencer à voir les changements qui vont se produire dans votre vie. Normalement, si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de complications, logiquement, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif avec cet habit. Elle va progressivement renouveler les autres habits que vous allez porter. Voilà. À quel moment vous devez porter cet habit? C'est simple. Vous allez porter cet habit le jour. Ça veut dire que vous avez acheté l'habit samedi. Vous commencez un samedi de la semaine prochaine. Vous commencez à porter cet habit. Et vous allez voir le changement positif qui va s'imprégner dans votre aura. C'est le but de cette page, pour que vous avancez et vous progressez plus rapidement dans votre vie et pour que la réussite soit plus rapide pour vous. C'est le but cette année. Je vous dis à bientôt.